Allez les copains, avant de commencer, salut tout le monde, bienvenue sur le stream, salut mon petit Moxie, ça va quoi? Ce soir, soirée raid, du coup, vous avez pu entendre, il y a Scalap, il y a Dian Jondo, Flapix, Christina et Raph qui seront avec nous. Je crois qu'on est que 3 à l'avoir fini, donc ça va être marrant, on va se marrer surtout à l'étape 4. Je vous rappelle que ce stream est sponsorisé par Bungie, encore une fois, on a de la chance, merci beaucoup Bungie, encore, de nous accompagner pour cette belle soirée. Je vous rappelle que Final Shape est disponible depuis mardi dernier, la meilleure extension de Destiny 2. Masterclass Destiny à son prime, je le répète, même sans sponsor, je dirais la même chose. Et l'extension est dispo sur PlayStation, Xbox, vous avez également sur Steam. Voilà, n'hésitez pas, il y a la cross-save, cross-progression. Si vous êtes un New Light, vous pouvez skip le début des quêtes et aller directement sur le nouveau contenu. Donc n'hésitez pas à télécharger le jeu. Je rappelle aussi qu'il y a une partie de Destiny qui est en free-to-play. Si vous voulez tester le jeu, vous pouvez télécharger gratuitement. Voilà. Salut Balbi! Ouais, ça va impeccable, écoute. Hein. Je pense que tu kiffes le contenu. La mission exo. Déjà à débloquer, bon, ok. La mission exo, honnêtement, je classais très facilement les autres missions exo. Mais je pense qu'un petit peu à l'instar de la campagne, on est sur la mission exo top 1. Le seul truc qui peut être redit, c'est que tu es obligé de la faire à deux. Tu peux pas la faire tout seul. Ouais, mais okay. Le concept est génial. Mais le problème, c'est qu'il faut être deux. Le contenu, il est exceptionnel, je trouve. Vraiment. Vraiment. Bon bref, okay. En tout cas, pas encore la, les mécaniques sont bien dans la mission. Il y a une tonne de trucs à faire là. Ouais. Les mécaniques sont bien, et puis même l'environnement, la vitesse à laquelle ça avance, les phases qui se différencient. En fait, ils ont injecté tellement de mécaniques qu'on aurait pu se retrouver dans un raid en vrai. Ouais, mais même dans la campagne, même dans la campagne, t'as beaucoup de mécaniques. Ouais. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Bon, votre programme, il manque plus personne, mais attends, il y en a qui n'a pas parlé. Le Clodo, G.I. John Doe, il n'a pas parlé. Il est là, je vois son. Voilà, il est là. Ouais, il est là. Je dis rien, j'attends le bois ouais, pour survivre. La qualité du micro, j'adore. Ouais, mon petit gars, on est professionnel ici maintenant. mais toi, devant ton setup PC, sors de tes toilettes, s'il te plaît. Non, mais là, je suis loin. Ah bon? Je pense que ton Discord n'est pas réglé sous mon micro. Ouais, mais je pense. Là, il y a une galère. Salut, Vekni. Ok, voilà. C'est bon. Ah, voilà. Ok, ouais, ça veut mieux là. Voilà. Ah. Mais je voulais faire l'arrivée du Clodo, tu connais, attends. C'est bon, vous avez fait votre petit baril de Lucif Time. On peut ça mettre les choses au clair sur le raid. Yes. Ok, alors on est déjà 4 en orbite, sachez-le. Je rejoins. Non. Bah maintenant on va être 5, et puis... Bah voilà, et puis je vais me permettre de faire des clics droits ajoutés au portefeuille, voilà. Je vois que ça sort des emblèmes, sympathiques ici. Waouh, la brochette d'emblèmes là. C'est bon les mecs, tout le monde est gars. Enfin les mecs, excuse-moi. Ouais. J'ai Jando. Yes. Révélation que tu as raté, très important pour la suite de cette soirée. Ah bon? Savais-tu que Christina avait bossé sur l'édite du jeu IRL? Tu vas la faire à tout le monde. J'en ai rien à foutre. Oui, elle a doublé un PNJ que je te laisse. Mais si, mais je l'ai pris tout à l'heure, ça m'a choqué. Ouais. Elle est la doubleuse officielle de la version Kyra de Failsafe. En français. Ah ouais. Pourquoi la version ouais. Kyra? Parce que on va faire un test. Regardez, je prends personne en traite. Je vais te balancer 2-3 pics qui va t'énerver. Tu vas me répondre. Tu vas dire oh putain, ça le sait. T'es sûr et certain. Mais c'est sûr. Non, mais je peux pas dire le contraire en vrai. Laurie du salut, messieurs, dames. C'est bon, on est tout ça? Nickel. C'est pas bien. Tout le monde va m'appeler comme ça maintenant. Pas de quel problème. T'es fail pas safe quoi du coup. Mission exo, comment tu la débloques? Je vais te raconter ça après si tu veux. C'est pas très compliqué mais t'as 2-3 étapes. Le déblocage c'est une petite demi-heure je pense. Et la réalisation de la mission ensuite c'est une demi-heure aussi à peu près. Ouais, j'ai une petite question. Timing là. On a 4 heures. Niveau timing pour finir ce raid, on est large, avec 3 personnes qui ne l'ont pas encore fini. Non, mais oui, tranquille, ça va bien. C'est vrai que la réponse est non. Yondo me laisse penser qu'il y a une arrière-pensée de non-confiance totale, de croire qu'on est non, mais toi, c'est que en fait, tu cheats. T'étais sur le stream hier ou avant-hier. Tu cheats alors. Au poste de DPS au boss, je pense qu'il y aura plusieurs personnes qui vont bien tomber. Moi, je pense qu'on fait retry. Merci beaucoup. Voilà, je pense aussi. Le premier qui meurt paye 1000 subs à toute l'équipe, ça va ou pas? Ça va. Allez. J'ai oublié ce soir. 1000 subs. Faut que je parte, merde. Il y en a, il va pas bouger du spawn.
Non, non, mais attendez, escouade d'amis d'enfance, sachez que j'ai un problème moral à gérer, à régler avec mon clodo G.I. John Doe, sachez-le. Ah ouais. Il le sait pas encore, mais il va le comprendre petit à petit. Déjà, s'il y a un problème à régler que je sais pas encore, ça pue la merde, déjà. J'accepte le duel. T'en as peut-être pas conscience, c'est ça le vrai mot. Encore. On rappelle aux témoins que fumer est mauvais pour la santé, n'est-ce pas? Exactement, c'est pour ça qu'on éteint la caméra de temps en temps. Voilà, voilà. Donc voilà. De circonstance, j'aurais pas fait cette vanne, mais une autre bien plus grave, mais t'as vu. Qu'est-ce qui est beau, ce Red bordel. Ouais, il est vraiment, enfin, la DA de l'ensemble. En plus, c'est bien parce que il y a des gens qui peuvent être critiques dans cette quad. Hein. J'en ai déjà entendu. Je suis pas le seul bien gras, quoi. C'est ça qui est bien. Et tout le monde est très positif, franchement. On est d'accord. Hein. Bah, mais je pense que les retours des gens sur les streams et tout, il y a très peu de critiques hein, dans les chats. Hein. Bon, après, t'as toujours un mec qui te dit, franchement, l'eau c'est pas bon. l'eau c'est vraiment pas bon, ça sert à rien. Respirer, à quoi ça sert, tu vois ce que je veux dire. Dormir, c'est pour les faibles. Manger, pas besoin. Tu vois, il y a toujours des gens qui sont marginaux comme ça. Bon, rien pour eux en fait, finalement. Mais c'est quand même vachement unanime sur ZFC. Non, non. Bah, je me souviens pas d'un tel avis unanime. Enfin, franchement, The Witch Queen, tout le monde a d'accord pour dire que la campagne, était au top. Hein. Mais là, ouais, je crois qu'on a encore un petit cran au-dessus là. Ouais, The Witch Queen, c'était la campagne quoi. Là, c'est juste. La nouvelle zone était un peu en dessous. Hein. Ouais, complètement. Pour moi, les gars, j'ai pas peur de dire que lui, ça challenge Forsaken et voir ça le déborde. Hein. Ah, pour moi, l'avenir nous dira, tu vois. Ouais, je pense à voir sur la durée, mais pour le moment, pour une sortie, c'est vraiment colossal. Tout à fait. Tiens, les enchaînements qu'ils ont fait entre l'extension. Ouais, les gars, vous m'avez déjà perdu et ça, c'est pas fun. Le fou Kaizo. Regarde, c'est ici, moi, suis la lumière. Regarde les personnes que j'ai pris en plus pour te faire plaisir. Non, t'as pas pris un chasseur. C'est pour te faire plaisir. Ouais, pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce que tu vois, chasseur? D'ailleurs, niveau classe. Moi, je suis en chasseur aussi. Attends, premier degré. Premier degré, c'est le perso le plus cheaté pour ce raid. Hein. Non, mais peu importe. Tu peux porter ta responsabilité de wording. Mais j'ai dit à tout moment, je plombe la sponsor ce soir. Je la nique. Comment tu nous appelles? Dis-le devant tout le monde, devant toute la France. C'est le chasse-merde, mais c'est son vrai nom. Voilà, les mecs, vous avez entendu? Oula. Je me déconcentre, j'ai plus où on va avec tes connes. Ah bah attends, je comprends pas. Je pensais que ça maîtrisait, moi. Mais attends, il y a un arc et 5 chasseurs, je crois. Ah, je suis chasseur, moi aussi, ouais. Vraiment... Attends, quoi? Ah, je suis chasseur, moi aussi. Bah, les mecs, attends, c'est un chasseur, t'as dit là? Bah, là, y'a que Raph qui est pas chasseur. Bah, les mecs, je vous mettrai une flaque, hein, mais c'est tout ce que je peux faire. T'as heureusement que t'as j'ai 2-3 000 chasseurs à te proposer pour ta chaîne. Attends, ah ouais. Oula, les amis, j'ai looté une cape, une de mes capes que j'ai looté combo de perk sympathique. Ah ouais, Yoda, il attendait que je meure pour mourir en fait. Tu m'as sauvé dans le chat là, j'ai vu. Je vois attendre Rafa, elle est mort juste avant moi, impeccable. Ah mais les gars, 5 chasseurs, franchement, c'est pas esprit Coubertin ça, je suis pas d'accord. Attends, mais c'est pas par là. Je nous aime beaucoup, Flappy, c'est pas mais là, 5. Wow, les gars, j'ai un petit problème de direction là. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est bon. Ouais, écoute, moi je suis en train de guider John Doe parce que je sens qu'il est perdu. Non, moi je préviens, je vais poser des glaçons partout. Carnage. Et moi je te dis, j'ai fait le raid 3 fois mais je vais fermer. Hein, donc. Bah voilà, ferme-les alors du coup. Ouais, je te dis, c'est comme ça que je trouve mon chemin. Tout à l'heure, je te voyais dans la log en train de. Oh là, attendez, il y a un truc qu'on s'est pas compris. Je vous rappelle que. Attendez, non, c'est pas ça. C'est vrai, Calop, tu t'en sors. Non, ça va pas, parce que écoute. Non, mais. Attends, parce que là, moi j'ai pas pris. J'ai pas pris la filoche pour partir vite. Par contre, regarde, je peux faire du spectacle comme ça. Ah, mais attends, un spectacle. Ah, ouais, entertainment. À l'américaine, je te l'ai déjà dit, Gijon Do. À l'américaine. Ah, j'y croyais pas. C'est comme quoi ce soir, tout est possible. Appelle-moi Glide avec un I. D'ailleurs, j'ai adoré ce qu'il a fait, Glad, pour information. Hein. Je pense qu'on est tous d'accord aussi là-dessus. De montrer son écran en stream, de montrer le jeu. Je trouvais ça fantastique. Quoi. Nickel cuche. Non, là, c'est un cuche de placer trop.
C'est quoi, même moi je l'ai pas senti. Même moi je l'ai pas senti, gros. Moi ça va. Tu vois, c'est, tu vois quand tu quand t'enchaînes dans la même phrase PV piche avec l'accent qui va fatiguer, tu peux pas en rajouter un juste après, toi, ça fait chiant. Ça fait gitane maïs, PMU, moustache, Marcel. Non, pas. Non, mais moi j'y ai pas cru, mais je l'ai fait. Je sais pas ce qui m'a pris. Non, mais c'est à la pratique. Ah, c'est moi qui l'ai, ok, attends. Bah, je reste pour ça. C'est pour ça que c'était aussi long alors. Je comprends mieux. Tu sais qu'il va en haut avec WEM. Vas-y, je viens avec toi. Je vais en haut, je vais en haut. On est 22, là-bas. Vas-y, 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 les gars, je fais solo mon coin, c'est bon. Raph, ça fait la schneck là-bas, il y a personne qui arrive. Mon coin, personne veut de moi, j'y vais solo. Il y a Raph qui est parti solo, tout le monde s'est barré opposé, gros. Sachez que Raph, c'est les mecs à l'étape 2. Pendant qu'on apprend les mécaniques et que ça avance, on est fiers de nous. Il s'est amusé à plaquer tout seul, en solo. Normal. Mais tu sais, et en plus, il engueule le mec qui a, qui a posé problème. Et après, il dit, mais moi, qu'est-ce que tu faisais pendant ce temps-là? Moi, je faisais des plaques tranquilles, je faisais des glissades. Ouais, mais... Du coup, merde, qu'est-ce qu'on fait là, Yoda? Là, on fait le tourmenteur, j'ai trouvé le tourmenteur. Ouais, je sais, mais... On n'est pas sérieux. Attends, je lui mets juste un petit super pour lui expliquer qui je suis. Allez. Vite fait, hein. Oh, il y a le temps, il a bon. Voilà, il a compris, c'est bon. Ouais. Ok, ouais, je peux repartir. Ah bah, c'est ouvert en haut là sur moi. Enfin, pourquoi il y a une idée là-haut? Yoda, mauvais bas. Oh, elle est morte. Il a failli avoir une dinguerie. Bah, les mecs. Ok, j'arrive, Flicklick. Moi, je te laisse pas toute seule. Bien joué, Flapix avec 2 P. Flapix. Ouais, par là, viens. On n'est pas concentré, je suis pas concentré. Les gars, je suis derrière la porte, aidez-moi. Ouvrez-moi la porte. Mais qu'est-ce que tu fous là? J'ai cru que c'était l'un d'entre vous, le mob accroupi là. J'allais vraiment dire, mais qu'est-ce que tu fais? Ça va pas, moi. Faut recharger son eau là. C'est bon, les gars, vous gérez le champion, pas de moi. Nickel. Il y a encore une hydre là-bas. Hop, tourmenteur. Aïe. Et aïe. Un pec. Super les mecs, super. On est reparti. Yoda, j'arrive. Il y en a une sur moi. Tiens, tu veux la faire l'obélisque? Ouais, je fais les plaques, t'inquiète. Ah, dis quoi? Tu veux faire la plaque? Vas-y, fais la plaque, Envoie ça, John. Dis-moi quand t'es prêt, mec. Bah là, c'est envoyé, ouais, là, je peux monter dessus là. Je sais pas pourquoi. Vous avez la plaque du monolithe. C'est Flapix qui a envoyé. Ah ouais, j'ai le pylône là. Vas-y, ça part. Tu me l'as envoyé, Flapix, j'entends pas. Okay. Pas encore. Vas-y, je te l'envoie. Ça repart là. C'est en aller-retour là. Attends, mec. Je vais t'operculer ça bien propre. C'est renvoyé. Ok, alors moi j'ai des petits problèmes. Okay. De mob qui m'attire avec un truc vert. Je te le renvoie, moi. Un dernier flip-flap et puis après on y va. Ah, je crois que je tire ou pas? Par contre, j'ai qu'une cacahuète, les gars. Deux cacahuètes. Merci. Je crois que je la foirais, mais c'est parce que tu vois, j'ai été trop con. Mange la foire. Désolé. C'est vraiment un pylône de pouille. Désolé. Tu vois, il n'y a même pas de com. Désolé. Je tape un petit 1v1 avec ce fumier. Je sais que j'ai confiance. Tu peux pas avoir 2 P dans ton nom et pas péter un mob comme ça, quoi. Je suis désolé, hein. J'étais gourmand sur les cacahuètes, c'est pour ça. Pas de soucis. Mais tu as le cul, par contre, pour m'envoyer. Merci. Allez, c'est reparti, Chos. J'ai pas tiré sur la plaie. Non, fallait tirer avant, ouais. Faut renvoyer. Je suis pas concentré. Il y a 2 buffs, si besoin. Vas-y, j'en prends. Attends, un. Je peux prendre un petit là. C'est celui-là, c'est le pupitre là. Il y en a 2 au middle. Ah bah, les gars, c'est en vrai, j'arrive, j'ai deux pépites. Avec 2 pépites, ouais, on refait le monde. Je lui dis franchement, ça passe. Et en plus, je me sens solidaire de Raft alors qu'il est arrivé comme une merde avec 2 pépites et je me dis. Ah, parce que moi je banquais. Oui. Allez. Regardez ça, c'est pas beau. Combien de temps on sait pas quoi foutre de tout ce temps, regardez. Il y en a trop là. 4 minutes, qu'est-ce qu'on va faire de tout ce temps, les gars? Waouh! Ah, on peut même revenir en orbite et y retourner. Middle! Qui vient à la team middle là? Pas trop le malin! La team middle! attendez, pardon, je me suis trompé. Si, vous êtes 3, c'est bon! Ouais. Je peux taper Flap? Oh là! On va faire ça, t'inquiète! Non mais Flape! Tu te trompes pas ça du flow? Flape! Non? Flape! Non! Plus cornflakes, plus qu'autre chose, mais. Oh non, John, s'il te plaît!
Écoute, contente-toi, attends, ton apprentissage des hiches et des huches, toi. Attends, mais c'est Flapiche, le produit Pilipiche. Oui, Flapiche, mais oui, mais Flapiche, c'est sûr. Flapiche. Hey, attends. Tu ne connais pas la variante extrême, ça c'est la ceinture noire. Tu sais ce qu'il faut faire, John, quand tu maîtrises le hiche et le huche? Non, vas-y. Tu sais ce qu'il faut faire? Il faut l'espagnoliser. Flapichos. Oh, ah ouais, non, là t'es au top. Je suis encore trop jeune. Ah bah là, dans la rue, tout le monde te repère, frère. Là, tout le monde te respecte. C'est la petite chose. Quand tu maîtrises ces trucs-là, t'as tellement plus de problèmes dans la vie. T'as tellement plus de problèmes, je te jure. Tout passe. C'est vrai. Essaye avec des noms très sérieux, tu vois. Pour tester. Jean-Luc Mélenchich. Non, je sais pas si c'est ça. Alors. Mélanchichos, là oui. J'ai pas l'expertise. Technique. Mais c'est technique. Ouais. Je sais pas pourquoi c'est en pavé. Il a pris Jean-Luc Mélenchon en première intention. tu crois qu'il a fait le day one, Jean-Luc? Bah, j'en suis sûr, il a une chaîne Twitch et tout, mais obligé, c'est tué. Je vais raconter une anecdote sur lui. Qui se rappelle qu'il a fait l'escroc en faisant semblant qu'il aimait le gaming? Oui, ouais. Non. Et en fait, c'est parce qu'il y avait une communauté à les péter, c'était les dernières présidentielles. Et il a dit: j'aime beaucoup Assassin's Creed. J'aime beaucoup Assassin's Creed, le seul truc qui m'énerve. Il est pas mal, Jacuzzi, celui-là. Aïe, 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 attendez. Ah, il est là. Je suis en même temps. Il est là, l'autre là. Hey, toc, la brico. Et donc, je finis mon histoire à deux balles. Il avait dit: j'aime beaucoup Assassin's Creed. Le truc qui me dérange. T'es en glissette, là. T'es en glissette. Ah bon? Pourquoi? Arrête. Vas-y, je te le... Ouais, vas-y. De l'autre côté, là-bas, non, il a tout doux bien. L'autre, il est mort de rien. Il est notre pilier, là. Il est mort de bas à droite. On est où, là? Attends. Je sais pas si je t'ai renvoyé, mais je sais pas si j'ai réussi. Vous êtes dans la même selle, je comprends pas. Non, c'est de l'autre côté. Ouais, je sais, mon petit pote, mais... Il y a plein de mobs. Il y a Yoda et Flapuche qui sont là. Tu peux le banquer là, le suivant. Non. Je te l'ai renvoyé. Vous faites les plaques, Flapuche et Yoda. Et Yoduche. Je banque le monolithe. Flapuche et Yoduche. Attends, pourquoi j'ai pas de croquettes? J'ai pas le monolithe ouvert de mon côté. Bah, qu'est-ce que vous foutez, les mecs? Bah, t'étais mort de rire. Il y avait plus de call. Ça gloussait, c'est tout. Ah, plus de call. 1 minute 15 pour faire la différence, putain dame. 1 minute 15. Ah, ouais, il est là. Vas-y, je te l'envoie du coup. Vas-y. Hop. Tiens, c'est envoyé. Des croquettes, les mecs? Ouais, un peu trop de monde là. Croquettas. Hop là. Bon, il faut les faire mettre. Croquettes, de la radinerie en croquettas là. Je te l'ai envoyé. Ah, il y en a une au middle là. Non, il ouais, y a deux, regarde, deux. Magie. Attends, il y a deux au middle. Il y a deux. Elle vient de spawn. Trois. Vas-y, x2, moi je peux. Hop. Tiens, je te l'ai envoyé encore une fois. C'est comment, on est bon? Aïe. Aïe, j'ai entendu un bruit que j'aime pas. Comment ça? Allez. Ah non, c'est bon. C'est bon, c'est le bruit qu'on aime bien celui-là. Ok. Ah, celui-là il est valide. Ouais. Pourquoi j'en ai vu que deux des buffs chez moi? Filmez les jeunes. Eh ouais, poignée de main des menteurs, on est pas là pour rigoler. Attendez, on m'a pucé, on m'a bouté. On m'a pucé. Ok. Ok, là faut... Aïe, pourquoi... Oui, c'est vrai, on entend quelqu'un en double parce que... Il y a son micro, il aime. Je suis au pied de lui. C'est bon. Attendez les gars, il y a des gens, il y a des mobs récalcitrants là, genre. On est 12 là, c'est normal, là, tranquille. Hein, oui, on est 12, attendez. Ah, on est vraiment 12. On est vraiment 12. Non, c'est où, hein. Hop, ici en haut là. Ok. Ok, on bombarde celui-là. Nouvelle équipe. C'est bien, ça change. Sur tout, il n'y aura pas une seule équipe. La diversité. Ah, grave, les gars. C'est ça, exactement, Flapichos. La mixité. T'as vu comment il passe, Flapichos? Comment il est passé? Le Flapichos là, tout naturellement. Flapichos. Y'a déjà des mecs qui sont en train d'essayer de le follow. C'est ça, on va tous avoir un nouveau surnom. Faut que tu changes tout, ton blast, tout. Tes bannières, tes réseaux, tout. Avec 2P en plus, c'est le Flapichos, évidemment. Bien sûr, et bah oui, bah là sinon là c'est le mec qui dit 1P, 2P3. Voilà. Ah, c'en est une petite de trop, ça encore, John, je suis désolé. C'est vrai. Il y a beaucoup de fails hein, ce soir, c'est chaud. Non, mais je sais qu'il va en sortir une ou deux, il va nous mettre à terre, je le sais. Il en est capable, il va nous sortir une ou deux, il va nous éteindre, mais là pour ça. J'attends les moments prédominants, t'inquiète pas, ça va pop. Ok, Zou, c'est reparti. Vas-y, je suis Flapix, bon allez. Flapichos, c'est Chris, et celle-ci. Flapichos, pardon. Flapichos, c'est Chris. Attends, on va t'en trouver un, toi aussi. Ok, il y a le pilier ici, monsieur dame.
pourquoi tu veux m'en trouver un. Sur Scalab en pensant que c'était un mob. Ouais, ça m'a, il m'est arrivé la même chose tout à l'heure, mais je trouvais ça vexant, mais en fait, ça, je le prends bien. Excusez-moi, j'ai envoyé une petite. Hein, pour aller plus vite. Notre hydré. Muertos. Ok. Hop. Bah là, on pourra verrouiller quasiment direct, hein, du coup, vu que c'est le dernier. Bien tour. Sûr. Voilà, bien on, sûr, en, on en prend qu'une là, ouais. Voilà, exactement. Qui c'est qui fait les plaquites? Les plaquites. Moi, je me mets là. C'est écrit, elle est là. Vas-y, vas-y, je vais de l'autre côté. Tu veux, sinon j'y allais, mais je vais aller. Je vais aller faire des glissades, écoute. Tout là, il y a le tourmenteur, les gars. On ouais. Lit, mais il est là, lui. Hein. Il est mort, il est mort. Il y a le tourmenteur. Vas-y, tu peux l'envoyer. Ouais, incroyable que j'entends, quelle coordination. Hop, je te l'envoie. Ah. Hop, pourquoi je te le renvoie un coup, comme ça je récupère un buff. Si. Ok. C'est où, c'est en haut là? Hop. Je suis en train de chercher en bas. Je te le renvoie. Non, c'est parti vers le. C'est en haut, ouais, c'est chez moi, vas-y. Je vais rouvrir directement. Ah merde, prends, faut que tu renvoies. Ah. C'est verrouillé. Super. C'est génial ce que j'ai envie. Voilà, tu travailles bien fait. Un petit coup de balai, vous pouvez manger par terre. Ah, t'as un boss sur toi, Rafale, non? Ouais, je pense, ouais, je pense. Dans un coup de main. T'inquiète, c'est quoi l'étape suivante, Flapichot? J'essaie de faire des combos sur le chat. Le chat, le chat. Tout ce qui est van. Il n'y aura plus aucun rapport. Tout ce que, voilà, exactement. Tout ce qui est van. On va quand tu veux, Rafa. Un petit peu comme je viens de dire. Ok, ça part, ça part, ça part. Laissez faire, les gars, laissez faire. Laissez faire, mais des fois il est raté. Ah, merde. Tout s'est banqué. Ok. Ok, bah c'est bon, on peut aller au mid. Un petit. Fumez lui, sa grande tante. Voilà, bien connue la grande tante, on la connaît bien. Allez, ça va, ça banque quelque chose. Étape 4 en 10 minutes, je pense pas, les gars. La banquinada. Ah, bah faut parler couramment, les gars, je suis désolé. Hein. Tu vois, c'était celle de trop, celle de Scalab. Quoi? Okay. Bah, comme quoi, pas besoin de coordination. Voilà, GG. Super. Je vais mettre à la poste. On fera pareil à l'étape 4, ça ira. C'est pas beau. Oui, alors. Facile. Alors. Oh, encore le temps. Ok, la PM, je suis pas mécontent d'être venu. Merci beaucoup. J'ai un arc. The PM. Oh, donne-le-moi. Ah, je le jette, prends-le. Respecte un peu. John. Ouais. Toi qui soupçonne que je suis un joueur en slip en PvE, sache que j'ai préparé un petit build Frogport Bonheur Malveillance que j'ai testé sur des gros mobs et j'en suis bien content. Ça c'est beau ça. Sache-le. Ça j'aurais bien aimé en Day One mais il était désactivé ça. Ça aurait fait plaisir. Bah oui. D'ailleurs je l'ai fait sur le Day One et j'ai pas compris pourquoi j'étais à 1 de lumière. Je me suis dit je comprends pas. Il est pourri mon build les gars, c'est nul. J'ai testé pendant qu'on était encore dans le contest et j'avais pas l'info si tu veux. Et... Oui, bah oui, t'as dû l'avoir vite du coup. Bah déjà mon froc il est pas la gueule que je lui avais donné en termes de skin. Je comprends pas, attends. On dirait que je porte un fuseau alors qu'à la base j'ai censé avoir beaucoup de flow. Tiens Raph, on rentre dans la nuit. Ouais. Et après j'ai compris sur la valeur des dégâts, j'ai dit non les gars, il y a un truc qui va pas là. J'ai une config qui marche mal. De trouver un sens. Même les tout ce qui est surchargé et tout c'était désactivé pendant les deux premières étapes, j'ai oublié. Et du coup je jouais avec ça, ça servait à rien. Tout à fait. Ça dégoûte. Qu'est-ce que tu penses du nouveau lance-greux de l'acte qui crache du radio-l'air là? Qu'est-ce que t'en penses? Ah bah j'ai vu qu'il y avait un duo de perks qui pouvait être vraiment pas mal du tout pour en faire un trésor assez cher. Exactement, un trésor assez cher radio-l'air, je suis d'accord. J'aime bien. Après il dure moins longtemps, mais c'est bien si tu veux avoir une arme lourde ou principale exotique, du coup ça peut te permettre de swap. Tout à fait. Et donc du coup, fais-tu partie des gens qui ont réussi à avoir l'épée exo version Galahorn? Oui, la première. L'épée exo version Galahorn, attendez. Bien sûr. Ouais. Donc tu vas nous booster comme jamais, bah oui, c'est hein. Ça. Mais c'était mon rôle en Day One de toute façon. Mais c'est super. Ok, c'est l'épée qui booste les autres épées. Ah oui, comme le Galahorn. Ouais, t'as un munitions de loot dessus. Ouais, c'est chasse en meute, je crois que ça s'appelle. Ah, alors j'ai pris la bannière mais j'ai pas pris d'épée. Oh, c'est beau les micro-missiles comme ça là. Ah, ça lui met du savant. Juste pour voir la malveillance. Je suis désolé si je vous fais faire une troisième phase. J'avais besoin d'aller au bout de ce truc là. Moi j'ai plus de mun. Ok. Je suis pas sûr que j'ai contribué. Attendez, c'est pas fini, c'est la première. Ah pardon. Qu'est-ce que tu veux? Il veut quoi? On le tue? Fauf. Ah, il est. On le tue, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il veut? J'ai eu peur. Attends.
Attention, attention, okay. C'est maintenant. Ah, j'ai plus de mun, hein. Hop. Moi, j'en ai gardé. Mais des coups de boule, des coups de tête, des coups de tête. Ah, je mets du fusion, je mets du fusion. Utilise ton crâne. Mon missile là-dessus. Ah, ma vie à l'aide. Ah. 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 Allez, okay. GG ça. Allez. C'est facile, je l'avais gardé pour le spectacle. Pourquoi il y avait une auto, il était là lui. Ah, mais parce que en fait, à la fin, t'as les trois boss qui arrivent au milieu. Là, j'ai l'épée. Ok. Oh la capos, capuchos. Oh la PM encore. Oh, c'est quoi ça? Je suis abonné à la ah, PM. Ah, c'est moi. Glaive. Oh, j'ai un glaive. Moi, j'ai eu quoi ah, vous êtes jaloux de mon glaive. Hein. Ah, j'ai eu un glaive aussi, je crois que c'était une arme. J'ai eu un rideau de douche par contre, je sais pas qu'on peut looter ça. Regarde, j'ai eu un rideau de douche, frère. T'as pas vu la cape exo du chasseur, hein, si tu l'as vu. Ah la vache. T'as que j'ai une arme, tu peux faire le rideau. Mais là, la cape, d'aller là, la cape. Par contre, ouais. Tu veux dépasser le million en 24 heures sur une vidéo? Moi, je veux le torse, il est beau le torse. Bah écoute, donne-moi l'astuce. Regarde, inspecte-moi deux secondes, ça va prendre deux secondes. Attendez, partez pas. Le but. Attendez, voilà. Attends, et là, tu dis voilà comment conserver un minimum de flow avec la carte, avec la cape exo d'un chasseur. Comment ça, peut-on conserver un minimum flow? Tu prends un casque sans capuche. C'est le seul. C'est le seul. J'avoue qu'il est beau. Il est beau le chasseur. Ouais, ça passe, j'avoue. Non. Fais voir. Le non. Oh la vache. Oh la vache, il est. Oui, il est bien. Et ça, c'est parce qu'il y a un ornement, monsieur dame. Après, si j'enlève l'ornement, je fais le gars du peuple. Ah ouais, non, bah faut arrêter. Non. Voilà, c'est pour ça. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, le style dans le cinéma, c'est très important, c'est essentiel. Ok, c'est vital, bien sûr. J'ai chaud. Comment tu fais dans la rue pour répondre aux gens si t'es habillé comme ça? Comment on fait? Ok, les gars, et bah let's go. Hein. Là, c'est découverte du coup pour vous là? Ouais. Je connais, mais je découvre en vrai en vérité. Okay. On va full découverte. Ah, allez, c'est okay. Parti. Nickel. Ouais, juste la salle du bois, je vois. Ça, je crave que tu vas avoir aucune difficulté à y aller. Oh, je sais bien. Ah. Bah, poussez-vous, j'y vais. Oh, j'adore. Il y a un petit coffre secret en plus sur le jeu. Ouais, mais ça va, vu. On voit, ça montre aux gens s'ils savent pas. Non, c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ouais, c'est pas pour moi, bien sûr. T'as gratté un glaive, tu devrais être content, c'est bon, tu vas le refarmer du coup. J'ai un glaive et un arc, moi, c'est bon, j'ai besoin d'un autre. Sur le glaive et arc, il est en full. Quel stuff. Il est en 100% de loot. Quoi sur l'arc en plus, c'est un godroll. Complètement. Ouais, non, c'est un rôle pas très god, je pense. Hop. Wow. Fail safe. Non, mais on peut en reparler de la vie secrète de Cricri dans Destiny, parce que moi je suis. Ça fait combien? Ça fait 4 ans que. Il y a un easter egg au niveau des statues. Ouais, à gauche là, il y a un truc là. Un easter egg, vas-y, montre-nous. Oh, sur une statue, on entend la musique de Paul McCartney. Voilà. Oh, j'arrive plus à parler, je suis fatigué. Paul McCartney. Voilà. Ah ouais oui. Sur une des statues, on l'entend comme à la tour à l'ancienne. Mais non. Ah. Je sais plus c'est sur quelle statue. Attends, ça m'intéresse. Quelqu'un voilà. je connais personnellement, donc du coup je pourrais lui en parler. Attends, tu l'entends distinctement ou faut tendre l'oreille? Tu faut tendre un peu l'oreille et il y a la musique avec un peu des comme des interférences et tout. Pourquoi j'entends dans ma baisse Benzlaise dans celui-là? Quel rapport? Ah, c'est des références. Ah, retourne au combat, pardon. Ah, je le trouve pas ton. C'est par contre, là, c'est vrai que là, au niveau DA, les mecs ils se sont fait plaisir, ils nous ont fait plaisir. Mais la scène là. Oh, c'est magnifique. Il y en a sur des kilomètres. Et là, surtout que si tu regardes chaque statue, t'as un détail que tu soupçonnes même pas quoi. C'est du vrai stuff, t'as de l'ennemi. Ouais, ils ont vraiment bossé les uns. Les infos. Bon, bah, je sais plus quelle statue c'était. C'est magnifique. Incroyable. Pardonnez-moi. Non, des demi-infos comme ça, comment ça m'aide? Ah ouais, c'est... John, juste en dessous, c'est l'info chat là, au niveau ouais, non, mais on est là, on est limite. Hein. Juste en heureusement que c'est Flappy Chose avec 2P, parce mais que sinon, c'est Flappy Chose. Putain, pourquoi tu fourches, merde, Flappy Chose? Mais je fourche pas, je suis espagnol, gros, mais... Flappy Chose, y'a pas besoin de T. Y'a pas besoin de T. Flappy Chose, tout court, y'a pas de ou. Flappy Chose. Non, je l'ai pas, gros, je l'ai pas. Tu vois, c'est ça, ça demande un niveau d'expertise supplémentaire. Guanu là. Guanu. Non, t'avais raison, la malveillance, ça fait plaisir parce que tu vois des beaux dégâts, mais tu sens que tu contribues pas à faire fondre le boss avec. Ah, là, j'ai dû mettre un bon vieux 500 000 de dégâts avec ma malveillance. Qu'est-ce que c'est beau. Ouais, faut vite faire, hein, franchement. Encore? Ah non. Bon, comment ça encore? Non, parce que j'avais un tuyau, mais c'était même. Oh là là! J'avais juste fait un tour sur moi. Ah! Ah! J'ai activé quoi là?
Salut les mecs qui viennent d'arriver, merci encore pour ceux qui ont cliqué. Bon nombre là. Bah je sais pas, j'avance, il y a attends-moi, bordel. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh la tombe. Bah. Ah il est tombé comme une merde. Ok, le dédale. Ah merde. Bah ouais parce que alors... en fait j'ai trébuché. Ouais, la barre. Je demande la barre. Oh la vache. Oula. Oh le joueur, oh, c'est une claque de fou derrière la nuque. Attends, joueur pro aussi. Attends. Ah bah c'est creep joueur pro. Triplement pro. Attends. Arrête John, qu'est-ce que tu fais? Je vous aide. Un frère. Qu'est-ce que tu manges? Tu te relâches, je tends la main. J'ai eu l'impression que tu m'as... Attends. Attends, mais qu'est-ce que tu passes là? C'est une impression, hein. Bah, je vais envoyer tellement des gens à l'autre bout du monde avec des épées dans cette phase, ça va être ouais. Génial. Chugneux. Oh, c'est incroyable. Bah, la raid est vraiment sublime. Hein. Oh là, c'est... Ah, franchement, c'est... Une pépite. Sachez, les gars, qu'on n'est pas... Oh là là. Hein, tout à fait, j'aurais dit exactement pareil, franchement. Il l'a joué RP, hein. même vocal, ça a interrompu le truc. Ça m'a rappelé quoi ça? Ça m'a rappelé le... Le mec, t'as te rappelles? Tu diras pas où, mais t'as vu, t'as compris. Oh. Avare. Oula, je sens mal mais, la porte. Mais là. Pourquoi je peux pas monter, c'est pas possible. Ici, il y a un petit truc de l'or, juste là, petit collectif. Ouais, j'espère que c'est une vraie. Ah, j'arrive. Un petit crâne? Une petite bouboule. Ah. Attends, il parle le ref parce que moi j'ai pas une boulette. Il est où le crâne de Flappy Chose là? Merci bien. Attends, mais tu fais Scala, pourquoi tu me pousses? Bah comment? on est vraiment à 50 mètres bizarre, d'écart. Bizarre, mais quand même, j'avais l'impression qu'il y avait peut-être du ping, une distance quand même entre les deux. Ah, vous buguez les mecs. Attends. Attends, c'est quoi le chemin là? Ah. Okay. Ah bah ouais, là, c'est à vous de trouver les gars. Ouais, c'est bon. Attends parce que... On vous laisse mener là. J'ai fait ça toute ma vie frère. Ils connaissent ce chemin, c'est les autres qui connaissent ce chemin. Ah super ça. Une petite boulette. Ça va, magnifique Flappy Chose, super. On va l'appeler la bouliche à Flappiche. La bouliche. T'as vu John, regarde le combo. La bouliche à Flappiche, ça c'est un combo ça. Attends, c'est la bouliche à Flappiche. Là, il est juste ici frère. C'est vrai que... Attends, je maîtrise pas le mot simple là, déjà si en plus vous faites des combos. La bouliche à Flappiche les gars. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Ah, regarde, c'est Zélie qui tire dessus, une partie du jeu. Aïe. Avec safe. Les gars, quand elle a dit oula, c'est fait le safe, je vous jure, les gars. Putain, j'en reviens à quelqu'un qui dit c'est vrai. Tu mets le truc en robotique et. Ah, mais non, mais attendez, je te dis, il suffit que j'envoie 2-3 pics dans le cœur pour qu'elle s'énerve et tu vas voir. Voilà, je vais pas m'énerver là. RP, je te dis. Faut pas que je m'énerve. Avec ta grosse tête là, tu vois. Pardon? Voilà, tu vois. Ça commence. Il y a un début. Grosse quoi? Alors déjà le mot grosse me plaît pas, tu vois. Mais j'ai pas entendu la suite. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh voilà, je suis mort. Oh le tuyau de mort. Aïe. Les gars, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu, les gars. Écoute, on est 1782 sur le live. Pas 1780, il y en a un, je l'ai payé, ok? Tout le monde a vu. Tout le monde a vu que quelqu'un m'a poussé dans les airs. Ouais, j'ai rien fait du tout. Alors que je suis en train de la mettre en avant. Pour qu'elle devienne star internationale en tant que doubleuse de Failsafe. Et là il se passe quoi là? Attends mais frère, qu'est-ce que tu fais frère? Tu me pousses gros. Oh là là. Ah, ce raid il a défoncé des amitiés. J'ai plus de mun, je peux pas m'attraper. Attends, viens la péter. Vas-y mais je saute tout de suite, t'as un orquin. Tu sais sauter. Ah, justement je plane comme une merde là. Ok. Voilà. Je me sens empressé par là. Bien. Ah, ton gars. Hey, je me rattrape. T'as cru que j'étais qui toi? Regarde. Ils sont en train de se battre là-bas. T'as cru que j'étais qui? Ah, je suis vachement loin de vous, mais je suis là, frère. Foiré. Eh les gars, je suis là. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il est loin, ce canapé. Il m'a renvoyé à la tour. Tu vois? Il m'a renvoyé à la tour, c'est pas cul. Non, franchement, c'est la honte, hein, là, ce canapé. Quoi? Qu'est-ce que tu fous en bas? Mais. Oh, au pire, on le TP. Attends, j'ai fait une erreur. Pour le TP. Au pire, on le TP. Qui a pris un LFG? Ah, attends. Attends, regarde le spectacle. Non, entertainment, les gars. J'ai compris comment ça marchait les bumpers ou j'ai pas compris? Parce que je saute au moment où il dit je vais t'excuser. Voilà. Ah, je sais, il y a que. Ok, le bumper il a pété. Il y en avait pas, tu vois. Je suis plus en danger. Je veux pas au con, les gars. Ok. Attends, les gars, arrêtez.
Attends, je suis... Arrête, qu'est-ce que tu fais là, qui a fait ça? Oh non, c'est la décadence. C'est la décadence. Attends, mais qui m'a explosé contre un mur là? Personne, t'as vu ça, personne. Arrête, ah, arrête, j'aime pas ton épée. Moi j'ai plus de mine. On a un problème, je me suis auto-baisé, je crois. Oh non. Je vais voir la killfeed, je vais voir ça avec un passe. Ah, c'est dommage, John. T'es tellement bas. Ouais, je suis pas d'ouf là. Alors moi je me suis appuyé d'où est la suite. C'est là, Flapitch. La flapuche, tu fais quoi? Ah, les trucs là, c'est pas bon. Juste après. Non, mais quel débile! Oh! Ah, pourquoi tu fais ça? Non, il y a un petit problème. Il y a Flapuch, qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que c'était là-haut. Bah, je me suis peut-être trompé de route potentiellement. Genre, ça fait option. Y'a moyen de là, j'ai bien vu, t'as essayé de me faire tomber, non? Yoda, franchement, c'est le seul joueur pro de l'équipe. Non, regarde. Oh, t'as parlé trop vite. Le cœur. Oh, t'as parlé trop vite. Bah les gars, Raph, là-bas, là-bas c'est un décor. Merci Flappy. J'ai cru que c'était une plateforme, le nuage. Oh non, non, mais catastrophe. Ça va quoi? Allez, attendez, je monte. Non, ça a pété, mais putain. Oula. Attendez-moi. C'est l'étape la plus dure du raid. Oh, l'arc qui plane là-bas, regarde-le. Le mec qui plane comme s'il y avait une chance. Il est parti tellement loin. Mais bon, c'est ça, que tu vois qu'il y a une vraie profondeur. Parce que si ça avait été un jeu à deux ronds, ça serait une image fixe, un PowerPoint. Là, tu vois qu'il y a une profondeur. Le gars, il disparaît. C'est comme quand on envoyait Oryx à la fin. Il disparaît. Oh frère, il est parti tellement loin. Putain. Bon, facile en fait. C'est bon, t'es revenu avec nous ou pas? Oh, c'est bon, je suis là, moi. J'ai un doute, ok, ok. Y'a un petit coffre. C'est tiré, y'a un petit coffre bonus. Chose, ouais, vas-y. Okay. Ah! Ok, coffre chose. Mais Flapichos, il a plein de plans. Coffre chose. Ah bah, j'ai floppy les bons tuyaux. Ok. Oh, ouais, j'ai eu un. Ok, j'ai eu un glaive. Rouge, oh, Flapichos! Oh, le rouge! J'en ai préféré là. Le rouge, le red. Oh putain, c'est super. Je suis tombé. Oui. Bon, c'est assez étroit, hein, ici. N'empêche qu'on attend toujours la fin de l'histoire avec Melanchichos, ça, oui. Aussi, c'est juste que... Demain. Ah, je suis mort. Attendez, parce que là... Non, c'est pas bien de tenir le piège comme ça. Attendez, vous faites quoi, les gars? Je sais pas, c'est fortement. Les refs. Je l'ai pas vu. Mais comment ça fait? Bah, tu fais ça, frère, et puis tu vois. C'est bon. Oh, vas-y, j'ai fait une glissade dans l'autre sens. Ah, je dois passer comme un bon, c'est trop. Oh là là, je m'attends à avoir un truc d'un ref là. Ouais, demain les gars, ce genre d'anecdote, c'est pas le thème de la soirée. Aïe, aïe. Non, ce que je veux dire. Non, c'est par où? C'est par là? Oui. Ah, Gijondo qui périt au combat. Le sol est effectif. Il est très vieux là, le sol là. Non. Très vieux là. J'ai pas entendu ce mot. Ah, Yoda c'est un bon, il a essayé de raise. Hein, tu sais, mais et ouais, il s'est raise avant, mais. Ouais, mais j'ai personne à part toi en réponse. Moi, j'aurais essayé de crever. Oh, on m'arrête tout à l'heure. Il te raise et il te met un coup d'épée derrière. J'avoue, c'est pas très droit là. Hein. Mais pourquoi il fait ça? Je l'ai vu, les gars. Mais le sol, il est pas très chose. Il se passe dans le nez en faisant le sol. Très vieux les choses, j'aime bien. Il met un coup d'épiche. Tu t'améliores. Vas-y, on va pousser, putain. Ah, le décor. De toute façon, le décor, on dirait le chignon de Tricky là. Alors, juste Carole. Alors, je vais faire mon chignon juste après. Attends, t'as dit quoi? Ce beurre, on dit. Je meurs de chaud. Le décor, on dirait le chignon de Cricri. Le chignon témoin. Le chignon du témoin. C'est ah, mais pas oui, bien. Ça passe que ça, ils comprennent pas. Oh, mon pauvre chignon. Il est bien, mon chignon. Ouais, mais je meurs de chaud là. Bah lui pareil, tu vois, John Doe, tu vois, le témoin, il est pas d'équerre sur le langage. Là, il aurait pu placer un magnifique coutal au lieu de dire le couteau, c'est ringard le couteau. Un coutal. Il fait une petite placement de pub pour une vidéo Movie of the Week que j'ai faite, et on n'en parle plus. Ah mais il dit comment, il maîtrise pas. Là, c'est le temps qu'il maîtrise les quiches là. C'est un con, faut le dire, je suis désolé. C'est un con. Waouh. Oh là là. Ah, on a l'autre côté fait le safe qui a un pop là. Attends frère. Accroche-toi mon kiki, qu'est-ce que tu branles? Oh, m'étouffe. Je suis nouveau, tu as l'air d'être un vicieux personnage, je commence à t'aimer. Ça, tu vois, il y a des vies qui se sont formées pour moins que ça.
Sache-le. Sache-le. Il y a des vies qu'on pue, tu vois. Je sais pas ce qui ressortira de tout ça, mais avec un peu d'amour, ça peut finir à la maternelle, tout ça. Attention, cette vanne, faut la comprendre, sinon ça peut partir trop loin. Hein. Tu la comprends pas, c'est chiant. Ah, c'est une porte là. Ah, qui ? Nouvel objectif. Ouais ! Mais qui m'a poussé comme ça là ? C'est John. Tentative. John, c'est John. Je suis dans le monde de la farce, moi. Okay. Ça m'a fait peur. C'est trop dégueu. Je voulais voir si t'allais pénétrer dans l'air avec le chignon. De toute façon, là, il n'y a pas besoin d'en récolter. Là, nous, on prend toujours les symboles qui sont à côté de notre plaque, du coup. Oui. Bah, à la fin, le tout dernier, moi, je préfère prendre le symbole de ma plaque parce que c'est trop le bordel de s'échanger. Alors que les symboles sont tous les uns à côté des autres, donc t'as largement le temps d'aller chercher. Ok, ok. Ouais, c'est là parce que c'est pour ça que j'ai dû reprendre un symbole au dernier moment. Bah, du coup, vas-y, on fait comme ça, dernière plaque, on prend le symbole de notre plaque. Parce que c'est plus facile. Ouais, pour le. Lâcher ta plaque juste pour aller chercher un symbole, ça, c'est quand même plus pratique. Hein. Pour moi, ouais, c'est pour ça que c'est ce qu'on faisait. Mais surtout à la fin. Avant, c'est vrai que c'est mieux de potentiellement changer de spot. Mais par contre, à la fin, t'es obligé de changer de plaque. Okay. Sinon, c'est trop le bordel. Oh, c'est vrai qu'elle est vraiment pas complexe, hein, cette étape. Hein. C'est juste que. Waouh! Ah, en fait, à la fin, c'est le. Ouais. C'est surtout les infos, on se les gueule. Ça croise de pas. Oui. C'est ça. Hein. T'es parti? Allez. Artichos, yes. Tout le monde est là? Ouais. Yes. Là, c'est ce sprite. C'est celui-là, t'es sûr? C'est celui-là. Là. Là, je commence à transpirer et tout. Hein. Parce que de toute façon, ça reprenne un opercule après. Ah, pareil. Hein. Pas le choix là. Je t'envoie, Yoda. Les tours et la flapiche. Carré à droite. Ah, je suis pas monté dessus, faut me l'envoyer. Bah, je t'envoie direct, hein, y'a plus le temps. Ouais. C'est toi qui me donne le mot. Vas-y, le record. C'est parti. Je t'ai renvoyé. Donc on fait la strat de retourner chercher les symboles à l'opposé de nos plaques. Non, pas non. Les deux premières. Les deux premières, on regarde. Mais okay. La fin, oui. Vas-y, Scap, tu en vas quand tu veux. T'es reparti tout de suite. Ça repart. Je suis Géchard carré. Carré, c'est à droite. Je m'en tiendrai pour rond. Hop. Celui qui veut venir à rond, je m'en tiens sa place. C'est reparti pour toi. Je fais un renvoi. Je t'ai renvoyé. Et j'arrive. Vas-y, je fais le renvoi. Comme ça, tu peux remplacer. C'est bon, j'arrive. Le triangle est lâché au mid. Ok, je prends le triangle, je pourrais renvoyer au mid. Vas-y Raf, continue. Je renvoie. C'est parti, je pète arrive. Mon boss. Tu peux renvoyer pour la droite. Ah, c'est verrouillé. Ok, j'y vais. J'ai envoyé. Verrouillade. On aide les copains maintenant. C'est fini. Ouais. Verrouillade. 2 minutes 20, la fille. J'ai les posettes. Attention, les étoiles. Les étoiles. Ah, les étoiles. Une fois, j'oublie les étoiles, putain. Qu'est-ce qui m'arrive? Les gars, je crois que c'est bon. Bah, la pix. Pourquoi je peux pas banquer, bordel? Bah, dépasse, hein, la putain! On est trop rapide, mec, on est beaucoup trop rapide. Non, on était rapide, ouais. On a bloqué le jeu en fait. Là. Ouais, mais cette strat, du coup, switch de monolithe à la fin, je trouve que c'est vraiment pratique. Ouais, sur les deux premières, ouais, c'était mieux. À la fin, ça sert à rien, j'ai envie de crever. À cause de Raph, putain, je veux le tuer. J'allais faire une galipette, il m'a sauté dessus, il m'a remis au sol comme une merde. C'est incroyable ce qui s'est passé. Du coup, je me suis envoyé ma nade. ma nade en pleine gueule. C'est trop le timing. C'est trop. Bon, John. Allez, les mecs! Écoute-moi bien, là je vais pas manquer mon pistolet parce que je vais pas te dire, mais j'ai manqué 5 tracks d'affilée. Ah, ok, pas de problème. Dans le doute. Je le manque pas, si top. Voilà. Ah, j'ai congelé la main. C'est bon, Flapiche. Là, je vais bientôt. L'aider. Hop! Les gars, j'ai un deuxième tourmenteur, c'est pas normal! Ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait sur toi? C'est quoi cette connerie? Je crois qu'en plus, il y a un truc à rien faire là. Les gars, vas-y, je te renvoie, Yoda. Ouais, je vais rester là, de toute façon, je vais maintenir la plaque. Ah, Diou! Flap, je te renvoie! Triangle, c'est à gauche. Tiens, à droite. C'est bon! Oulala, c'est parti! Allez, ça part. Ça part, c'est envoyé, hein. Hop. Je te renvoie. Kari, c'est où? Tiens, à droite. Ok. Je te maintiendrai la plaque. C'est reparti, Flapiche. C'est renvoyé, t'auras pas de boss hein, sur celle-là, je te le dis. Hein. Oh là là, c'est beau ça. Pour une fois, là, je suis bien. Je t'ai renvoyé. Je me charge et je vais leur maintenir la plaque pour qu'ils puissent. C'est reparti. Récupérer. T'auras pas Flapiche, de boss, je t'ai maintenu la plaque aussi. Ouais, je la renvoie. Vas-y. Je t'ai renvoyé. C'est bon, là, on peut changer si tu veux. C'est bon, je renvoie. Je valide la carré. C'est reparti. Triangle, je te maintiens la plaque. Ouais, j'arrive.
Je la renvoie une fois pour être sûr et après ah, donne. C'est bon, je suis là, je suis là, je suis là. Il reste juste le boss à sortir à droite. Vas-y. Ma plaque, elle est plus utile. Je peux me barrer après direct. Je peux les ramasser. Si ta plaque, s'il y a, faudra la faire. Le mid et les ronds. Si tu peux l'envoyer, Rafale. Je l'envoie, moi la mienne, les gars. C'est bon, c'est validé. Non, non, je suis pas là. Je suis pas là, mais c'est pas grave, t'inquiète. Ah bah, Kiot. Qu'est-ce que j'en sais que c'est toi? Moi, j'en sais rien, frère. Qui fait rond? Bah, renvoie, normalement, tu peux renvoyer. Ok, je vais renvoyer, t'inquiète. Qui a rond? Je l'envoie, c'est bon? T'inquiète. Ok, vas-y, vas-y. Allez, elle est repartie de chez moi, elle est repartie de chez moi, les mecs. Une minute, allez, déconnez pas. Oh, c'est bon, là, on est bien là. Tourelle, tourelle, tourelle. Celle de droite, elle est faite, ça y est? Ouais, elles sont toutes faites. Les tourelles. Ah, ok, ok. Je recharge, pardon. Hop. Allez, on banque. Et on l'atomise. Là, on va chercher chez les autres à la fin et ça va bien se passer. On fait pas spawn de gros mobs pour les copains, évidemment. C'est le plus important, ça. Ouvre-toi, bordel. Donc là, ouais. Tu te mets du coup toi entrée à gauche, comme ça je vais au mid ouais, perso. Ouais, bah quoi. Ouais. Comme ça, voilà, on s'entend bien. Yes, tous les deux. Je sais que c'est fait, ça. Au fond, je prends la plaque du mid du coup, comme ça je m'entends Escalab, c'est. Parfait, les mecs. Par contre, je vais te filer un coup de main pour le nettoyage du début. À droite, du coup. Vas-y. Et Raph au mid. Hein. Raph au mid et moi à droite. Ouais, je suis pas au mid, moi. Bah, il va à gauche, Escalab, il t'a dit. Ok. Pas grave, ça s'adapte, les gars. Toi, tu vas à droite, et moi, je vais à gauche, ouais. Je t'accompagne, Flapiche. Vas-y, comme ça, on s'accompagne. Sûr. Yep. Ah, ils sont les trois collés. Allez, bâtard. Je leur glace la chate. Ah, petit. Oh. Ça bon, ça tombe. C'est beau, là, ça tombe. Ok, j'ai pas encore me buzz de tourmenteur. Faudrait que je sais pas ce que c'est. Là, ça sera. Au mid, c'est quoi? Carré rond triangle. Ok, carré rond triangle. Les tourelles, les tourelles. Dis quand c'est bon. Attends, ouais, je vais faire enculer par les tourelles là. Oh. Quand tu veux ce qu'il y a là. C'est parti pour toi. C'est bon pour moi. John, c'est maintenant. Ok, je t'envoie. Non, non, c'est maintenant, les mecs. T'as quoi, Fabi, sur mon côté du coup? Ça fait carré rond triangle. Carré rond triangle. Je vais chercher triangle. C'est reparti, Flapiche. Je te renvoie. Merde, ils sont où, rond. C'est maintenant, mon pote. Hein. Ça repart. Hein. John. Non, mais je vais gérer le boss, mais c'est pas grave, je vais le tuer. Il faut juste tuer mon boss à mort, j'ai mon truc avant. C'est reparti, Flapiche. Ok, je peux finir le mien? Ouais, finissez. Moi, j'ai fini le mien. Hein. Ah, mon boss. Le boss est au fond à droite. Let's go. Okay. Okay. Est-ce que ma arrive? On l'allume, ouais. Est-ce que ma plaque sert à quelque chose, les mecs? Non, ah, c'est que Raph qui doit m'envoyer là. Ok, bah je vais miner une dernière enquête. Venez au fond, il y aura des. Ça, mon pote. Il y aura juste des mobs à tuer à la fin là. Allez, c'est bon, c'est gagné. C'est parti, John Zer. Let's go. Pardon. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Les tourelles, on n'oublie pas les tourelles, les loulous. Non, la résonance, la résonance, manquez la résonance. Allez, les loulous. Les loulous. Allez, les loulous. Allez, les loulous, on va banquer. C'est parti, Kiki. Allez, les Kiki. Allez, les Kiki. Qu'est-ce qui vient de se passer? Et bon, les ah les gars, c'est pas ça. Mais comment? Mais ça, qui s'est passé? L'avare. L'avare là-dessus. Ah mais frère. Allez, c'est gagné. Et GG. Voilà, GG ça. Centre là. Oh. Incroyable. Encore. Écris, y a du loot, arrête. Ah oui, c'est vrai. Mais non, s'il te plaît, le glaive. Encore la carte. Encore la carte. J'ai des bras. Je veux le torse, moi. Oh, je suis abattu. Ah, moi, les gars, pourquoi je suis mort? Je ne sais pas. Hein. On va regarder ça à l'avare tranquillement. Mais les gars, il n'y avait aucun danger, pas un ennemi. Je tire une roquette et je meurs. À quelle heure? Il n'y avait pas un décor, rien. Je pense que je me suis mangé un mur invisible. Hein. Ah. C'est beau, hein, Kakri. Hein. Ouais. Ah bah là, ouais, mais c'est déjà fini. Là. Maintenant, c'est lequel? C'est... Écoutez déjà, pour spoil, je suis reconnaissable, facile, j'ai un chapeau, et mon spectre est unique, on est très peu dans le monde à l'avoir. Voilà. Ah, mon spectre aussi est unique. Oh, il est dégueulasse, mon perso, j'ai grave la haine. Ah, j'ai la haine. Ah, je vais mettre une carte. Ah, il est dégueulasse. Voilà. Moi, je mets la cape. Oh, les gars, on est bien. Hein. Non, mais là, faut faire un effort, je peux pas. Frère, Raph, viens. Admet. Regarde, lui et moi, là. C'est la même. Ah, y'a un truc. Bah, qu'est-ce qui se passe?
Ah, c'est pas mal. Attends, attends, faut, je suis obligé de faire un petit relooking vite fait, je suis trop dégueulasse là. Il est con. Ça passe, ça a changé en temps réel. On dirait qu'il a un big slip. Bah ça, ouais, pourquoi il s'est passé avec le battage? Ah, ça changera après. Faut mettre les spectres aussi d'ailleurs. Ouais, ça change juste après. Ouais, mais la veste de Big Craver là. Mon spectre, c'est une petite chauve-souris. Et sinon, j'ai la cape de Nézarek dégueulasse. Ah, moi, alors, c'est spectre, on met des spectres bien, bien marqués quoi. Ouais. Ah, les gars, est-ce que ce spectre là, il est marqué pour vous? Parce qu'il est quand même lointain dans l'histoire. Non? Non, c'est pas fou ça. Frère! Ah, c'est pas... Ouais, c'est une fleur, c'est une fleur, c'est reconnaissable. C'est la... Mais non, mais c'est le spectre. C'est... PVP. Mais... Bon, c'est soit tu prends la fleur. Tu prends une chiette multiple là ou un bateau là, ça c'est reconnaissable, tu vois. Un bateau, une chiette multiple là. Moi ça me vexe de c'est pas de mon spectre. Regardez à la fin comment il a réagi le mec. Et moi c'est bon le flocon de neige. Il est pas incroyable le mien. Ça va, le flocon c'est bien. Un petit chapeau. J'ai envie de mettre un chapeau aussi comme ça. Non, non, mon chapeau. Les gars, un œil, ça va. Ah, le œil c'est bien. Un casque. Ok. L'œil c'est bien. Ah mais non, Raph. Non. Laisse-moi foutre chapeau, non, frère. C'est le mien. C'est le mien. Je ne l'ai pas changé depuis que je l'ai eu, frère. Mais moi non plus, je ne le fais pas. Je refuse de l'enlever. Écoute. J'ai un chapeau. Je ne veux rien entendre. C'est mon spectre. Attends, laisse-moi être diplomate. Écoute, espèce de connard, j'ai un chapeau. Comme ça, on fera le call parce qu'il va y avoir deux calls, spectre ou perso. On dira chapeau, on passera à moi. On dira chapeau sur corne. Oh frère. Voilà, quelle horreur. Non, bête. Faites voir les vôtres, vos specs. Et moi, ça va, mon perso là? Moi, j'ai un bateau. C'est qui le bateau? C'est moi le bateau. C'est pas un bateau, ça c'est un canoë, frère. T'es fou de la gueule. C'est une embarcation assez primaire. Mais ok, vas-y, mettez-vous en rang de saucisse, comme on dit. Qu'est-ce que c'est que ça? Là, mettez-vous comme moi là. Je veux repérer les identités des gens là. Ok, il y en a qui font les rebelles et j'aime pas beaucoup. Mais pardon, désolé. Moi, c'est une petite chauve-souris. Oh, Flapix, c'est quoi toi? C'est une chauve-souris. Vraiment, c'est une chauve-souris, ça? C'est quoi ça? Il est énorme, le bordel. Là, c'est une petite bouliche. C'est qui, la petite bouliche, là? Le petit, ça? C'est un flocon. Ah, c'est un flocon. Ouais, c'est flocon. Ah, merde, ouais. En fait, la petite bouliche, c'est le spectre, en fait. C'est le truc. Oui. Il y a un flocon. Là, il y a un chapeau, ça me déçoit, mais bon, il y a un chapeau. Après, il y a qui d'autre? C'est quoi? C'est un lion, ça? Ouais, ça, c'est un lion. Quoi, ça, j'ai mis un lion. Non, c'est un tigre. Non, c'est un tigre. C'est le lion du titan. C'est un tigre. C'est un tigre, les gars. Un tigre. Un tigre. Attends, ok, donc le lion. Alors, à capella pour voir. Le chapeau, c'est Scalap. Le skin, je parle. Ferme-la, le skin. Voilà. Le skin, chapeau, Scalap. Non, attends. Ah, les personnages, ouais. Il n'y a pas besoin de mettre un spectre en lien avec la cape ou le truc comme ça. Mais si, mais c'est... Regardez, dites-le à lui, son Don Raphaël. Don Raphaël, je ne peux pas. Moi, je sais même pas ce que j'ai. J'ai la cape chapeau, et moi, je veux prendre le spectre chapeau, mais Raph, il veut pas. C'est qu'il le prend, lui. Dites-lui que c'est pas con. Dites-lui que c'est con. Ce serait bizarre, parce que déjà, vu la complexité de l'étape. Bah ouais, Raph, pense à l'équipe. Je peux pas. Je le dis, c'est littéralement l'étape la plus dure de tous les raids confondus. Ouais, par contre, c'est vraiment incroyablement chaud par rapport à n'importe quelle autre étape. Allez, Helsing, ça va. Aucun sens. Non, je vais garder mon flocon de neige. C'est pas si bon, écoute. Ça, les mecs. Ça, c'est Scalap, là? Ça te plaît? Attends, où ça? Là, ça, c'est Scalap, ça? Moi, j'ai un chapeau, frère. Tu peux pas me rater, moi. Ça, c'est. Moi, j'ai Pocahontas. Comment ça? Ça, c'est qui? C'est Christina, ça. Christina. Oui. Ça, c'est qui, ça? Je suis un Amérindien. Vous êtes 5 chasseurs aussi, vous partez en couille, les gars. Non, mais moi. Il s'est pas mis à jour mon truc. Crois-moi que si on arrive au boss, tu serais content d'avoir les 5 chasseurs. Oh oui. Là, c'est déjà Jundo, ça là? Oh, mais là, comment on vous reconnaît? Mais c'est toi? Incroyable là, ça. C'est toi là, quoi? Attends, vas-y. Eh, les gars. C'est pas mis à jour, c'est moi celui-là. Ça, c'est moi. On a une bonne heure pour kiffer. Attends. Tape dans la peluche. Parce que là, mais là, il va falloir passer au cran au-dessus de la peluche. Un mannequin, un truc comme ça. Ce qu'il est en train de faire là sur le chat, là, son numéro de claquette, je suis obligé de m'occuper de lui, ça me fait chier. Non, mais je l'ai dit en introduction, on l'adore le gars, mais là, c'est mes organes qui me disent détruis-le. Allez, frère. Je suis mort. Allez, je relance, c'est le dernier try, les gars. Allez, let's go. Comment c'est de fatiguer? Ok, seul tout, c'est ça. Ok, je suis TP, Pax. Ah non, pas moi. Y'a qui avec moi là? Ah bah j'ai déjà double carry chez moi. Moi j'ai deux triangles sur le mur. Tu veux le faire avec le site ou tu veux que je le fasse? Comme tu veux, si tu veux le faire comme toi, au moins comme ça je verrai. Je suis chaud.
Bah moi j'ai déjà mes deux bons symboles correspondant à ma statue donc. Attends, c'est quoi le call? Donc là, là. Non, moi j'ai deux triangles. Vos calls de votre côté, il faut qu'on ait vos calls. Hein. Et oui, bah pardon, moi j'ai. Pardon, ouais, et bah moi j'ai pareil que tout à l'heure. Triangle carré rond. Okay, donc là je pose le triangle sur la première. Scalap, ta statue elle tient quoi comme symbole? Rond et j'ai deux ronds sur mon écran. Carré sur la deuxième. Et bah c'est bon, on a tous déjà nos. Moi c'est un carré et j'ai deux triangles au top. Deux triangles sur l'écran. En fait, si vous avez deux fois le même symbole, ah non, je regarde pas le bouclier. J'entends pas, les gars, j'entends pas. Vous avez juste à tuer vos deux chevaliers, prendre chacun un symbole et banquer sur la statue dans l'ordre des aiguilles d'une montre qui n'est pas la vôtre. Et voilà. C'est fini. Alors attends, on tue les chevaliers un par un. Ouais. Tu prends le symbole et tu banques sur la statue dans l'ordre des aiguilles d'une montre. Quelqu'un pose des ronds à droite ou pas? Oui. Ok. Là, je prends au milieu, moi. J'ai banqué à droite, moi. C'était quoi l'ordre? Je me souviens plus. Triangle, carré, rond. Triangle. Là, ok, là il est bon. Carré rond. Et là je rebond quoi. Carré, là faut que j'aille le carré. Ah, m'énerve les mondes. Ok, c'est bon, moi j'ai mes deux symboles différents. C'est là que tout le monde est bon. J'ai qu'un carré au top. Hein. J'ai un triangle. Attends, j'ai un triangle en rond. J'ai mon rouge. Oh, mais non! Ouais, mais les tapes comme ça, c'est giga ça! Bah, en fait. Moi, je m'en vais, ça va tout seul. Oh. Ah, les specs! Ah, c'est sans tirer, Jérôme, ok, autant pour moi, je suis en ouf. Ah, ça, c'est le. Oh, j'ai le petit chapiche! Vous pourrez sortir normalement, c'est le spectre de Scalab. Le chapiche. Non, non, attends, le spectre chapeau, c'est Raph. Ouais, non, mais moi j'ai l'œil, il est bizarre. Ok. L'œil, c'est qui l'œil? Cri-cri, c'est en 5. Non, c'est le l'Arca, non, c'est Raph, l'Arca. Ah, je suis là, chapiche. Wouh, je suis là. Moi j'ai celui de Scala, moi. C'était quoi, Cry? Moi j'ai un espèce d'œil, c'est qui? Moi j'ai des petites vagues sur le côté. J'ai des petites. Ah, c'est moi les petites vagues sur le côté. Je sais pas où je suis, moi j'ai donné ma statue. Il faut que vous donniez les gens qui sont freeze. Regardez ce que vous voyez devant nous. Moi j'ai la cap beat. Faut me dire où je suis. Parmi ceux qui sont freeze. Déjà Raph, il faut que tu me donnes un truc. Parce que toi t'es freeze, tu dois... Ah non, mais Raph, il est freeze, frère, moi. Mais du coup, il a pas donné son call, du coup, il y a que Scalab qui peut donner là. Ouais, Scalab, tu veux que je donne comme call? Ouais, quoi? La statue, il faut que tu me dises là ce que tu vois. Là, en face de toi, à ta gauche là, la statue là, elle est illuminée. Ah, mais c'est qui? Et bah, c'est qui? Je crois que c'est Flapix, c'est l'impression. Tête de bite, c'est moi. Ouais, tête de bite, c'est Flapix, ouais. C'est là? Ouais. Ok. Ouais, nickel. Ouais, c'est bon. Oh la vache, mais là c'est le bord, c'est Bagdad les gars maintenant là. Ok, j'ai un carré, j'en fais quoi? Je prends mon carré là. Si ça correspond à ce que tu veux, t'as quoi dans la main de ta statue? Bah, mais je vois pas ma statue. Ah, normalement si t'as manqué tes deux autres symboles, donc il faut carré et rond, donc tu tues tes deux chevaliers, tu prends le carré et le rond et tu sors. Ok. Bon là j'ai un carré. Moi les gars, attends, ouais, putain, en fait ça me pète les couilles, tout le monde part, j'arrive pas à poser des questions, c'est trop dur en vrai. Quand t'essaies de vouloir comprendre parce que t'es dans l'erreur. Ah bah, t'es pas le seul à essayer de vouloir comprendre aussi. Je sais frère, mais je sais, mais là moi je suis arrivé à un truc, j'étais bien au début, je le suis plus, je sais pas pourquoi. J'avais mes symboles qui correspondaient, je les ai plus maintenant. Comment c'est possible? Normal. Ça, j'avoue qu'il y a un problème. Tout à l'heure j'avais deux ronds à l'écran, un rond dans la main, et maintenant je me retrouve, j'ai un triangle rond à l'écran. Et bah oui, c'est normal. Le but c'est que t'es triangle carré sur l'écran. En fait, je t'explique, les deux symboles identiques, c'est ton premier objectif, pas ton objectif final. C'est pour trier, on appelle ça trier, c'est pour que tu touches ouais, ces symboles sur le côté. Mais une fois que t'as ça, ton objectif, c'est d'avoir les deux autres symboles. Ouais, mais c'est le pire. En fait, c'est pas bien de commencer avec les doubles symboles, c'est con en fait, enfin c'est chiant. Bah non, c'est mieux, c'est largement mieux. T'as une étape de mieux. Ouais, ça va plus vite. Mais oui, mais non, mais en fait... Oui, sans faire le double, c'est plus rapide, mais là, c'est beaucoup plus safe dans le sens où t'es sûr de pas te tromper, si tu suis bien le truc. Après, moi, je sais que sans faire les doublons comme ça, nous, on avait fait sans faire les doublons au début, et en fait, des fois, t'as les bons logos, mais tu dois quand même refaire un échange pour effacer la forme des mains. C'est ça. Ouais, et en gros, à la finale, ça te fait plus d'échanges, c'est la merde, en fait, ça complique grave le truc. Par contre, monsieur dame... Aïe, aïe, aïe. Je vous cache pas que tout à l'heure, je suis en souffrance, moi, j'ai pas envie d'arrêter, hein. On est bien, moi, je m'amuse bien, moi. Hein. Mais j'avoue que là j'ai énormément de mal avec l'épaule et je tiens plus là. Qu'est-ce qu'on fait? On se refait des trails? On s'en refait pas? Il est minuit passé? Moi je vous cache pas que ça se lève assez tôt demain. Voilà, moi je suis pas pour aller jusqu'à 2h du matin déjà moi. Un petit sniff. Non, moi non plus. Ça part pour deux jours. Ah, je te cache pas que. Non, mais attends, l'opercule, je vais devoir me le mettre dans le. Enfin voilà. On même si on a déjà été assez loin aussi, hein. On a déjà été loin quand même. Non, c'est bien pour un premier jet, c'est bien. Beaucoup. Ouais. C'est bien pour un premier jet.
Ouais, faut écouter. Vous avez compris vite en soi, parce que bon, après, sans avoir vraiment tout compris, mais il y a eu quand même un beau try déjà direct. Il y a quand même une grosse base qui a été comprise. Alors que nous, pour faire un try aussi propre de, en premier, on a Après, ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas fait, on n'a pas réussi à sortir les trois, tu sais, parce qu'on n'a pas expliqué ce qu'il y avait après. Ça aurait été la surprise un peu, mais. Non, mais vas-y, explique, vas-y, spoil, c'est quoi l'après? L'après, c'est quoi? Bah, après, le... après, en fait, quand on arrive à sortir, il y a tout le monde qui meurt sauf une personne. Et là, il faut rebanquer tous les spectres. Un par un, donc tu dois dire, moi je vois un tel là, un tel là, un tel là. D'accord, et ça, dans un timer, j'imagine. Oui, oui. Ouais, je crois que t'as une minute ou comme ça. Mais... Après, nous, on avait une strat pour ça, c'est que on se mettait tous à un endroit bien distinct pour savoir où était qui. Et moi, je me mettais toujours au mid, comme ça, si je tombais, mon spectre et mon perso étaient le plus reconnaissables. Le mec tout seul banquait, on était directement deux pour banquer tous les spectres après. Ouais, je vois le délire, moi. Mais en fait, l'étape est exceptionnelle. Elle est vraiment cool. Hein. Ouais. C'est la meilleure étape du raid, vraiment. Ouais, c'est pas le rendu, moi, qui m'impressionne. C'est la réflexion pour arriver à ce rendu qui me... Ouais. C'est bien. Ah bah tryhard beaucoup de plus que sur d'autres étapes de raid pour vraiment la comprendre entièrement. Mais attends, les gars, soyons... C'est trop plaisant. Comment j'essaie des fois de comprendre comment les mecs, ils ont pu déduire. Donc, le fait qu'à un moment donné, il y a des gars qui ont dit... Nous, on a des formes, voilà, et l'autre, il dit, ouais, mais moi, ma forme, elle est en 3D. Donc, t'as peut-être un mec qui a fait le lien, il dit, ok, attends, comment 3D? Et donc, du coup, après, ils ont fait la jonction entre, ok, tu fais un cône avec un triangle et un rond, ok. Je sais pas combien de temps ils ont mis à finir ça, là, ATP. C'est lunaire. Mais je pense que le seuil de réflexion, il se fait comment? C'est quand tu as dans ton... Il me semble que j'ai vu un truc où ça faisait 7 heures qu'ils étaient sur l'étape et ils comprenaient toujours pas quoi faire. 7 heures, ouais, ça m'étonne pas. Salta, ils étaient après 9 heures sans comprendre. Toi, c'est là où t'as abandonné. Nous on est arrivé là et on a arrêté parce que genre on était crevés et genre j'ai compris l'étape mais genre l'appliquer avec tout le monde qui était foutu, genre c'était impossible quoi. On n'avait pas le site à l'époque. Mais il n'y avait pas le site, mais même en condition de fatigue, mon frère. Bah ouais. Et encore, le témoin, la strat est beaucoup moins dure pour le faire, mais par contre, genre pareil, la réflexion pour y arriver, ça n'a aucun sens. Genre je sais pas comment les mecs sont arrivés à cette déduction, ou le truc où t'as tout le tableau devant le témoin qui te met au défi, tu dois dessiner une forme dedans, genre c'est n'importe quoi. T'as déjà vu la vidéo des mecs qu'on fait... Ils ont pas rigolé là. T'as vu la vidéo des mecs qu'on fait le World First là? Non. Moi j'ai regardé leur vidéo, c'est l'armée hein. Déjà ils rentrent dans le raid, il y a pas de question de regarder la cinématique, il y a pas de question de regarder les décors, ils bombardent, il y en a qui trouvent la salle, tout le monde retourne en orbite et rejoint. L'étape 1 elle est finie, là il y a un mec, un scout qui check les streams des autres, il rentre dans la salle, dans le salon Discord, tout le monde se tait et il explique tout. Il fait j'ai vu ça, je pense que c'est comme ça, ils expliquent tout. Ils font ok, on va faire comme ça, ils se placent et c'est parti. Ah ouais, c'est des vrais robots. Ah ouais, c'est des machines, hein, vraiment, j'ai regardé la vidéo, bon je me suis endormi devant mais... Tu regardes ça l'autre soir. Non mais tu prends pas de plaisir à faire ça. C'est leur plaisir à eux. Oui après, oui. C'est leur plaisir à eux en fait, mais... Mais du coup... La vidéo que t'as regardé là, c'était les mecs, ils étaient pas en stream, eux c'était des vrais compétiteurs, ils étaient pas en stream. Ouais. La Parabellum, c'est ça? Ouais, Parabellum, ouais. Oui, ils étaient pas en stream, c'était pas les compétiteurs. Si c'était pour mettre des écrans noirs, voilà. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Tu sais qu'il y a un mec, je crois, t'entends sa voix, mais je crois que c'est le mec qui a fait la vidéo, t'entends sa voix une fois par étape, il a une voix toute posée, toute calme. Et tu l'entends quasiment jamais parler. Non, mais de toute façon, même moi je le dis, même quand on maîtrise les raids et après tu fais des choses mécaniquement, tu te permets de jacter tout quand t'es en chill. Mais là, c'est ce qu'on a vécu tout à l'heure, là, quand on était dans la salle des relais, là. Ouais. Mais le gars, le Parce que moi, je sais jouer comme ça en mode, tu sais, quand tout le monde maîtrise son rôle, je sais jouer en mode pas un bruit, etc. Tu te rappelles, Yoda, d'ailleurs, petite anecdote, pendant l'event caractatif auquel on a participé, on avait eu un défi, on a fait un raid sans son, tu te rappelles? On pouvait pas se parler. C'était c'était une étape dans Riven. C'était on avait fait Riven avec Epion. Il y avait Epion, mais on pouvait pas se parler, donc il y avait pas de son. On avait pas de call. Ah ouais, je sais plus c'était quelle étape par contre. On l'a fait first try. C'était l'étape d'avant. Je sais plus comment ça s'appelle là. L'étape avec pénombre, etc. Là. Ah, anti-ombre, pénombre. Ah, ouais. Anti-ombre, ouais, voilà, anti-ombre et tout là. Bah, ça, on l'a fait sans call, tu vois. Et du coup, il y avait pas un bruit et on l'avait fait first try. C'était l'objectif. Et je m'étais dit, mais en fait, dans cette étape-là, quand tu l'as fait la première fois, mais pareil, c'était le marché, mon pote. Il y avait des poissonniers. je sais pas si vous savez aussi, il y a une escouade de Français qui sont sur Mu et qui font le raid à chaque fois. Oui, si, si. Tu sais qu'ils étaient. Alors, moi, je sais pas s'ils ont été au boss, mais je les ai vus à cette étape-là. Hein. Et en fait, les mecs, ils communiquent sur Discord en langage des mains.
Et ils écrivent dans le chat. Et ils écrivent dans le chat. T'imagines cette étape là en découverte de raid sans, oh, sans pouvoir parler. Là, mais là, c'est trop là. Non, mais ah, c'est, là, un, là, c'est un délire. Là, vraiment. Là, c'est des génies là. Ah, c'est, ouais. C'est le niveau au-dessus de toute façon. Et moi, j'avais fait, ah, Raph, on avait fait, fait Nezarek ensemble, nous, en Day One. Ouais, ouais. Avec Keno. Ah, oui, Raph, ah bravo. Bah, Nomad, je crois. Il y avait Nomad, je crois. Ouais, ouais, les mecs. Ah ouais. Non mais Nezarek c'était, c'était tu vois, c'était branlette un peu quand même, mais c'était bien de le faire, mais c'était branlette. Ah, bon, on a fait... On a presque Warfest. Voilà, c'est vraiment un raid à la hauteur de l'histoire, vraiment. Comment ça, vous voulez pas Warfest? Bah... Ah mais ce raid là, ah, ouais, c'est... Franchement je pense qu'il pouvait pas faire meilleur raid en termes de difficulté, non, non, d'ambiance, de mécanique pour affronter c'est... l'ennemi ultime de cette saga. Exactement, vraiment, mon expérience Day One, je monte une équipe découverte fun deux jours avant le truc. Je me lève le matin à 6h pour le taf, plus la semaine de boulot. Le soir, blablabla, ouais, on court. À 3h du matin, en fait, on avait les mécaniques des étapes sur lesquelles on a décidé d'arrêter. Et je regarde vite fait et je vois Glad, il est au même niveau que nous. Je dis, vas-y les gars, viens, on va se coucher. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Nous, la première, c'est... je sais plus, on l'a passé en 4h30. Ouais, bah, ouais, bah, on était là. Il y avait des grosses teams qui étaient à l'étape 2 depuis je sais pas combien de temps. On s'est dit, oh, ça pue. On n'est toujours pas passé étape 2 au bout de je sais pas combien de temps. Il y avait des grosses teams qui étaient encore en mode. Tout le monde était à l'étape 2 au bout de 6h, tu disais. Ouais, non, c'est dur. Mais moi je respecte à mort. Tu vois, là, j'ai eu. Comme un, j'étais pas préparé. Deux, je pouvais pas. Enfin, en fait, c'est pour les gens qui ont réussi à faire un truc. J'imagine qu'ils ont une journée normale. Ils sont couchés très tard pour se lever très tard. Tu sais, ils sont mis en collision avec une journée de boulot. Le tout. T'arrives, le mode contest. Parce que là, putain. Même Mathieu, c'est dur. Franchement, c'est dur. Avec le contest. Intérêt d'avoir 6 soldats. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Ça sert à rien forcer. Regarde, il en a parlé, John, pendant ses lives. Je suis pas beaucoup regardé, mais à chaque fois que je passais, il disait un truc pas con. Il dit tiens, c'est marrant, c'est bizarre. Et à un moment donné, il dit les gens qui tiennent le choc. L'échec, c'est pas un échec, en fait. L'échec, c'est juste on reprend. Jusqu'à ce que ça passe. Et t'as des gens qui se découragent et qui trouvent ça trop dur et ils voient les autres qui avancent. Ils disent vas-y, ça arrête, c'est trop dur. Moi je suis un peu comme ça, mais en vrai quand t'es claqué, quand t'as soutié de la vie IRL de ton boulot, peut-être avec des merdes dans la journée, et que tu te mets dans ces conditions là, etc. Mais c'est trop compliqué de faire un Day One de cette qualité là, c'est très compliqué. T'as vu les squads là, un Day One branlette, ça va tu vois. Les mecs ont streamé Astécross etc, là, 37 heures je crois de stream. Astécross il me faisait de la peine. Oh il avait une tête, ouais. Vraiment je crois qu'il allait... Il avait les pupilles dilatées, je voyais ça, il avait des tics de mâchoire qui bougeaient tout seul. C'est bizarre, ça n'avait pas de sens ce qu'il faisait avec sa bouche. Oui, il clignait des yeux gros, il avait éteint la lumière éteinte pendant 2 minutes, genre vraiment c'était... Les yeux fermés, ils se rouvraient. Et tu sais quoi, je regrette presque même de pas... Au début je voulais faire un délire... avec ma commu, là, tout le monde était chaud pour que je fasse ça, mais j'ai changé de vie. Je voulais pas faire un cast à la tradie, mais plutôt un cast franco-français. C'est-à-dire, me focus que sur nos équipes un peu à la patriote, etc. Et en fait, je regrette presque, je regrette pas d'avoir fait des one avec les gars. En plus, il y avait mes deux fils pour la petite histoire, et tout le monde s'en tape. Ah ouais? Mes deux fils sont ceux qui m'ont mis sur Destiny en 2014. Bah, terrible. Ils avaient 12 et 7. Aujourd'hui, ils ont donc 22 et 17. Et ça, c'était un petit peu la boucle est bouclée, donc c'était marrant, tu vois. Bah, mais ouais. Le peu que j'ai regardé, pour les mecs qui galèrent et tout, et notamment l'équipe à Frostbolt et à Stakeholm, j'aurais pu rester des heures sur leur stream. Des heures. Tellement c'était cool à regarder. Tu vois, ah ouais. J'ai pas fait, du coup, je me suis aussi privé de ça, quoi. Mais je regrette ça pour le coup. Mais vraiment, franchement, respectueusement, là, les mecs qui ont fait le Day One, le vrai, le 24 heures, je dirais, même si c'est un 48 heures, ouais, une seule équipe, mais quel respect. Mais si tout. Attends, les gars, si tout est clean, tout est fait en legit, même si les mecs, ils optimisent en faisant des back orbit, ça, on s'en fout, ça. Mais quel respect. Mais quel respect, putain! Ah, c'est des machines! C'est des machines! Il n'y a vraiment eu qu'une équipe là. Une équipe. Attends, l'autre après, équipe, elle a fini combien d'heures après? La deuxième? Je crois qu'il y a 5 heures, comme ça, 5 ou 6 heures. C'est qui le second? C'est Salto avant? Non, ça. Non, il est 3ème, je crois. 4ème. ATP 3ème, je crois. Mais quand tu vois déjà ATP et Dato, ils arrivent en premier, loin avant les autres. Et genre ils se font défoncer, le témoin c'était pareil, c'était une vraie galère à comprendre. Le témoin c'est n'importe quoi, le témoin gros, je te jure. Appliqué ça va, c'est largement pas aussi dur que cette étape, parce que ça se comprend bien. C'est très facile à comprendre. Par contre, à vraiment trouver par toi-même le truc, mais mec faut être un timbré, hein. Ça n'a aucun sens. L'étape du témoin, quand tu sais qu'il faut dessiner un truc devant lui, t'es en mode, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bordel? Ouais, pour moi c'est un perfect, je regrette pas de pas avoir réussi à aller bien loin. Franchement c'est un tellement un beau clin d'œil aux gros pratiquants des Day One Red, tu vois, que je suis très content. C'est du coup ça s'adressait pas à moi, tu vois, très 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 individuellement et très augustement, mais je suis trop content qu'il y ait mecs
ont eu, tu sais, parce qu'on va pas se mentir, il y a eu plein de vagues dans Destiny où ça s'adressait plus trop aux vétérans ou aux tryharders. C'était vraiment des produits d'appel pour les nuls. Bah, quand tu vois que les mecs ils finissaient leur raid directement, ils partaient à 2 ou à 3 le faire, tu vois, sans dormir, sans rien, juste derrière. Même nous, regarde les Arek, même nous, tu vois, on avait une équipe du VS, mais tu sais, on avait envie de faire un truc. On a fait 2 contests en 9 heures sur des Arek. Ouais, pareil, premier, on avait fait les 3 heures, et le deuxième on a fait un tout droit et puis c'était, donc on était content pour l'emblème, pour le machin, mais ouais, on savait très bien que c'était branlette, donc bon. Bah, du coup il vaut rien l'emblème, que bah, il vaut pas, c'est... en fait je suis quand même content pour ceux qui sont fiers de l'avoir eu, mais en vrai moi je sais très bien que c'est, voilà, tu vois. Ouais, tu sais que tu le mettras pas, quoi. Mais je pointerai, ouais, mais je pointerai jamais du doigt quelqu'un qui est content de l'avoir eu, tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. C'est un petit peu comme les premiers phares qu'on faisait en net, t'avais des mecs qui le faisaient tout seul, ils étaient hyper contents, il y a des mecs qui leur disaient ouais mais ce week-end il y avait un matchmaking ouvert, c'est facile. Non mais laisse-le être content, le gars, il a compris un truc, t'as vu. Là c'est clair que le New Light qui se dit tiens je vais tenter le nouveau raid ce week-end, je pense qu'il devait retourner en orbite, tu vois. Non, je pense que là, non, le mec, il... il doit dire, tu comprends pas tout, là. Là, tu l'emmènes avec toi, le New Light, là. Il est en formation, tu sais. Tu lui montres cette étape. Et là, il te dit vraiment, mais pourquoi vous faites ça? Mettez-moi un mob qui ne bouge pas, je me mets dans une faille et je tire, c'est bien, ah ouais, ça. Premier degré, c'est ce que madame m'a dit. Elle dit, je sais pas ce que tu branles à jouer sur un jeu pendant 30 heures, pour te laver le cul pendant 18 heures sur la même étape. Je sais pas ce que tu fais. Je dis, mais moi j'aime bien. Ouais, mais je comprends pas. Non, mais en plus, vous vous rappelez les labos Niobe, les puzzles, tu sais, pour le baston, tous ces trucs-là, c'était pareil. Il y avait 2-3 trucs chiadés. Mais là, ils ont fait. Là, cette étape-là, elle est catégoriquement exceptionnel, ouais. Là vraiment mais waouh, mais toute extension, ouais, hein. Tu auras encore la quête exotique qui est sortie là, enfin moi j'adore, c'est juste masterclass à tous les levels, je comprends pas comment ce truc est, ça peut, pour moi c'est au dessus renégat, mais regardez les gars, discussion. Ah c'est au tuto là, c'est au tuto, hein, vraiment. Moi je suis d'accord avec toi, mais regardez les gars, ce petit clin d'œil, le fait de voir nos propres skins, de jouer avec ça, ils auraient pu mécaniser cette étape différemment que ça, mais pour moi ça c'est un vrai clin d'œil, encore une fois, tu vois. C'est un vrai, là les gars, vous voyez vous-même dans le jeu, c'est cool, on va jouer avec vos spectres que vous avez dépensé fièrement de ververs, blablabla, tu vois. Même l'activité à 12, elle est énervée, ou à la fin tu mets l'ulti avec ton spectre et tout. Magnifique. Ah, c'est cool. Ouais, les cinématiques derrière et tout, ouais, franchement c'est une masterclass. Franchement c'est un perfect, c'est un perfect. C'est un vrai... une petite larme sur la fin. Là, franchement quand tu vois qu'ils sortent ça, au bout de 10 ans, tu te dis franchement l'avenir il peut encore être beau sur Destiny, tu vois. Bah, ils ont les ressources, quoi. Ouais. Ils ont un peu l'artwork des coups, lancée, oui, ça va être un gars. Comment c'est scénarisé et tout, tu sens qu'ils sont vraiment partis dans cette lancée. Parce que même l'artwork, l'intro des coups avec la DA à porter. Ça fait très film, en fait. C'est dans un truc très ciné. Moi, je vais, comme je disais, je vais profiter du DLC à mort. C'est pas que je vais pas faire les épisodes d'Alizac, mais il y a un truc que j'ai noté, parce que j'étais pas fan du système de saison, time gated, tout ça avant. Mais je pense qu'on est nombreux à pas être fan, mais. Quand on va voir Cricri pour la première fois, vous avez vu le petit récap? Attendez, c'est cohérent, j'ai bien aimé le côté. On n'a pas été la voir depuis le début des deux, depuis la Garou, en gros. Et là, elle nous fait un récap de tout ce qui s'est passé, mais avec les vrais calls. Avec des vrais vannes. Genre puis elle te dit un truc. Quand t'as le call, la pêche, gros, je te jure, c'est énorme. Et c'est pour ça que j'adore ce qu'on est en train de vivre, parce que les mecs, ils nous font des vrais calls de clin d'œil, vraiment, vraiment. Quand elle est aussi muque, elle te dit, vous avez plus l'habitude de venir ici que sur Nessos, des trucs comme ça, tu vois, c'est... Ouais, non, mais tout ça. T'as vraiment l'impression d'être dedans. En fait, il y a un quatrième mur, qui se fait péter, en fait. La première fois que j'avais vécu un truc comme ça, je sais pas si vous vous rappelez, c'était. C'était quand Pedro, je crois que c'est Pedro, il y a un PNJ dans D1 qui parlait de nous en gros à la 14e personne en disant les gardiens ils viennent sur la table de la garde et ils arrêtent pas de danser, parce qu'on faisait tout ça sur la tour, vous vous rappelez de ça? Ouais. On montait sur la table de la garde, on faisait n'importe quoi, des glissades, des chibacs, des machins, et dans une des émissions du jeu, à un moment donné je crois que c'est Pedro qui lâcha, c'est pas dans D1 du coup, non, si c'est dans D1 ça devait être, je sais plus, bref, il y avait un PNJ dans D1 qui lâcha, et là j'avais trouvé ce petit clin d'œil qui servait à rien, mais j'ai dit ouais, tu vois, c'est cool, les développeurs ils disent, ils ont vu qu'il y avait, moi ils se remarquent, ils voient ce que tu ils fais. Remarquent le truc et du coup ils te le remettent dans le jeu, et ça c'était des bons trucs, et ça faisait très longtemps que j'avais pas été satisfait d'un petit truc à la con comme ça, quoi, et c'est mortel, ouais, enfin bon. Bravo Bungie pour ce DLC, hein. On espère que la suite va être bonne, mais moi pour l'instant c'est en ligne et je suis d'accord, c'est j'ai pas envie de le lire. Qui disait c'est... ça apparemment. Bien, qui c'est qui t'a dit ça sur le chat? Il s'en rappelle très bien du coup? Ouais, c'est un pote qui s'en rappelle très bien. Super, c'est bah t'as vu? Ça. T'as vu un peu, c'est super. Et ce que je veux dire c'est que moi je vais continuer à détruire le DLC, parce que j'ai encore une petite crainte que peut-être le système d'actes et d'épisodes va être
Bah on va revenir sur des trucs, c'est redondant, machin et tout, mais on verra, on verra. Mais en tout cas, le DLC, ouais, c'est. Oui, je suis d'accord. C'est kiffant, là. Tout de suite, c'est la meilleure expérience de jeu de la saga de Fils. Tout ça demain. T'as une mission cachée dans la saison, là. Enfin, dans l'épisode. J'en ai entendu parler, mais j'ai pas été ni me spoiler. Elle est sympa aussi. Ok, bon, on ira voir ça, alors. Les mecs, je vous propose qu'on se fasse la bise et puis qu'on dise au revoir à nos chats. Ouais, ça marche. Eh ben, ça marche. Pas de soucis. En tout cas, merci pour cette belle soirée, en tout cas. Des bisous, franchement, c'était Merci, Bungie, de nous avoir réunis. Franchement, c'était cool. Merci, Bungie. Magnifique. Merci, Bungie, pour la soirée. Merci, Bungie. Allez, à bientôt, les gars. À bientôt, bisous tout le monde. Passez une bonne soirée. Des gros bisous. Ciao, bonne soirée. Ciao, ciao. Hop là. Bon l'équipe, il y a plus grand monde, il y a encore Ezox. Non mais Ezox, je ferai pas de raid à ce tour là. Alors ce raid est bloqué à étape 4. Après, logique les gars, c'est l'étape la plus compliquée à comprendre. Même si je leur explique, on a expliqué la strat qui était la plus simple, ça reste assez compliqué à comprendre, c'est normal. En fait, c'est une mécanique qui a jamais été vue sur Destiny auparavant. Quand ils auront réussi l'étape, ça sera comme nous, tu vois, ils maîtriseront un peu plus. Mais il va nous lire juste pour nous dire au revoir. Je vous lis un petit peu, Ça refait un fresh raid en speed là. Non, pas là. Là, je vais me coucher les gars. Je vais me coucher. Mais je pourrais refaire un refresh avec mon chasseur, ça me dérange pas. Il me reste mon titan aussi. Bonne nuit Red Banania. Je sais pas qui est parti récemment. Mais demain les raids si vous voulez les gars. Bon ça vous a plu la soirée sinon quoi? En vrai c'était marrant, on a rigolé. Et je vous avoue je suis mort. J'étais mort avant de lancer le stream là, je suis KO. Ouais c'était cool. En vrai, j'aurais bien aimé qu'on puisse au moins passer cette étape 4, ça aurait été sympa, mais... Au moins qu'on puisse... J'aurais bien aimé qu'ils puissent voir, tu vois, tous les spectres à la fin, là. On n'avait pas expliqué, enfin moi, j'avais pas expliqué exprès ce truc-là, mais... Bonne nuit, Arka. Bisous, bonne soirée. Eh les gars, je le répète, s'il y en a qui veulent... demain, je vous mets le lien du Discord. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. S'il y en a qui veulent faire la mission exotique demain, moi, je vais en faire quelques-unes parce qu'il me faut mon brassard d'Arka. Je peux vous expliquer, il n'y a pas de souci si vous voulez venir. N'hésitez pas dans la journée. Et puis voilà. Je vous dis bonne soirée. Merci beaucoup d'avoir été présent en tout cas. Je vais restream. Je serai là la prochaine fois. Mais oui Ezox, vas-y. Merci Nanan. C'était cool, bonne nuit à toi aussi. Tu vas stream demain peut-être, ouais. Mais en fait moi j'aimerais bien reprendre mes horaires d'avant. Je m'étais donné un petit rythme avant. C'était genre 13h, midi 30, 13h jusqu'à 16h, tu vois. J'aimais bien, ça c'est quand je peux par rapport au travail et tout, tu vois. Mais j'aimais bien ces petits trucs là. Ces petites tranches d'horaire là, et j'aimerais bien la reprendre. Donc je vais voir. Vas-y, Barca, on se capte demain. Ou un peu plus tard, tu vois, jusqu'à même 17h, mais j'aimais bien streamer l'après-midi, je trouvais ça cool. J'aimerais bien refaire ça. Bon, en tout cas, merci d'avoir été présent, les potos. Je remercie encore Bungie qui a sponsorisé ce stream. Hein. Et même si c'est sponsorisé, parce que généralement, quand c'est sponsorisé, l'avis est pas vraiment subjectif. Mais là, c'est une masterclass, les gars, l'extension, vraiment. Allez, je vous fais des gros bisous. On se capte demain, les potos. Allez vous reposer. Et puis, je vous fais plein de bisous. Tchuss, salut tout le monde. À demain.